Ce dimanche 18 février 2024, lors de la 77e cérémonie des BAFTA, un hommage a été rendu aux personnalités disparues ces derniers mois, dans la séquence In Memoriam. Mais l'absence de Matthew Perry, décédé brutalement en octobre dernier, a provoqué la colère de ses fans. Sa disparition avait choqué les millions de fans de Friends dans le monde entier. Le 28 octobre 2023, Matthew Perry décédait soudainement dans le bain à remous de sa maison de Los Angeles, des suites de la prise de kétamine qui lui était prescrite dans le cadre d'un traitement. Pendant des années, Matthew Perry s'est battu contre ses addictions, lui qui avait avoué, dans son autobiographie Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, avoir frôlé la mort à la suite d'une perforation de l'intestin. Après l'annonce de son décès, de nombreuses personnalités lui avaient rendu hommage publiquement, à commencer par ses camarades de Friends, qui ont chacun posté un message sur leur page Instagram respective. Il est de tradition, lors des grandes cérémonies qui récompensent la crème du cinéma, qu'un hommage soit rendu aux personnalités du 7e art décédées pendant l'année qui vient de s'écouler. Ce dimanche 18 février 2024, lors de la 77e cérémonie des BAFTA, qui se déroulait à Londres, un hommage a été rendu aux personnalités disparues, lors de la séquence In Memoriam. Problème. Matthew Perry avait été écarté de cet hommage, une absence qui a fortement agacé ses fans. Les BAFTA s'expliquent après la polémique autour de Matthew Perry. Dans les colonnes de People, un porte-parole des BAFTA est sorti du silence, en expliquant que l'absence de Matthew Perry de cette séquence était due au fait que les organisateurs ont déjà prévu de l'honorer autrement. Je peux confirmer que Matthew Perry sera honoré lors de l'hommage rendu aux BAFTA Television Awards, a-t-il déclaré. Les BAFTA Television Awards, qui se dérouleront le 14 mai 2023, récompensent les meilleures émissions de télévision diffusées au Royaume-Uni. Les explications de l'Académie n'ont néanmoins pas convaincu les internautes, qui ont targué que Matthew Perry était également un acteur de cinéma, qui avait joué dans de nombreux films.